Salut Los Payos. Ah putain, mais ça m'a remis en grand, remis en petit. Ouais, attends, faut que je trouve comment on Non fait. mais les gars, après, les gars, ceux qui sont dans les commentaires juste là, ceux qu'on dit, je sais pas quoi, il a volé, je sais pas quoi. Frère, moi, je vole personne. Moi, j'ai toujours fait sur mes lives, j'ai toujours dansé comme ça, j'ai toujours fait le con. Bon, bah Et les couilles, clairement, le je contenu de Choupa Choups, je sais pas qui c'est, je m'en bats les couilles. bon, t'as fini? Ah bah je t'ai dit, ils me connaissaient pas, bah maintenant ils vont Putain, connaître. mais mec, tu sais qu'avec ton t-shirt sur la tête, tu m'as fait penser à l'autre là sur TikTok avec son saucisson là. Là. Le spécial move de Choupa. Mais Balpa, mais je sais même pas qui c'est Choupa. Et je sais même pas qui c'est, donc je peux même pas dire que je Maïdi, l'imite, je sais même ah pas qui mais c'est. Maïdi, Écoute, tu sais c'est le mec quoi? qui était là tout à l'heure. Axou. Axou, tu sais qu'on s'est fait baiser parce que tu vois le Mehdi qui était à côté de Petit Mot. Ouais, bah c'est oui, c'était ben ça se voyait le mec déjà, il avait les néons derrière tous les machins, tous les trucs comme ça là. Mais en fait, ils étaient tous ensemble en fait. Oh, mais c'est un truc de ouf, putain. Et vas-y, je fais plus de live, moi. Voilà, t'as eu tout là, t'as eu la réunion, t'as eu toute la Truc réunion de là. ouf. C'est ouf quand même, en 2021, Ouais, qui c'est est. bon les Ben mecs, ouais, vous mais avez tu sais, raté. quand tu Il a bouges pas pas fait trop grand, tes je pensais qu'il allait pensées, faire un c'est rap de facile. ouf, il a juste dansé, il a twerké quoi. Moi, je suis Un bandée. classique, quoi. Tout le monde l'a déjà fait, mais c'était pas. Ah, mais moi je m'en bats les couilles, après elle move ou pas, moi je suis juste là pour m'amuser, je suis pas là pour déconner. Après, C'était moi je suis pas dans pas. vos délires de Twitch, Bon. de live, de je sais pas quoi, de chaîne YouTube, machin. Moi je m'en bats les couilles. Ouais, j'ai une coupure là. Dites-lui qu'il a copié sur Choupa, les mecs, il est en égo Vas-y, mais direct. t'es une pierre Rends toi le ou quoi move, ouais, avec dites-lui. l'ermite Mettez-le en Kleur égo, là? les mecs. Si, t'es dans un délire vu que t'es là. Non mais Fif, toi de toute façon frère, t'as une réponse à tout à chaque fois. De toute façon, toi tu parles beaucoup mais tu fais rien frère. Donc au pire des cas, ferme ta gueule. Mettez-le en égo, les gars, s'il vous plaît. Tout vu, tout fait, tout vécu. Incroyable. Putain, j'en ai marre de ce dégo de merde, hein. C'est quoi ce bordel? Taki-taki, taki-taki, Ça va rumba. Titi? Oui, ça Il va. a fait, il a twerké là-dessus. T'inquiète, Freezer, chez lui, tranquille. Ah, tu coco. Un petit Le mec, il s'est coco. mieux twerké que moi, incroyable. Ah ouais? Moi, je sais même pas bouger une jambe après l'autre. Ouais, bah vas-y frère, vas-y, faut que je. Ouais, mais attends, parce que toi, je te connais, du coup, le mec, il vient avec ce blaze là, il va venir sur mon live, Ouais, y a pas eu il la va venir notif. avec Bah un faites autre tourner le blaze. live, mettez le lien sur Discord. Il va. Non, Je suis mort. Axou, Mec, c'est il pas va un venir avec un youtubeur. autre blaze, il va monter. Ah, je Non, suis c'est pas mort. un youtubeur du tout. Non, je suis pas du tout youtubeur, mais je sais qu'il y a des youtubeurs, bah donc celui qui est passé là qui s'appelait Edouard, et je connais sa chaîne, je la suis sa chaîne, je la connais, et je sais comment il marche. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai direct capté qu'en fait, il filmait en direct et que voilà quoi. Axou, je suis sur ta chaîne, mais j'ai pas de chaîne, frère. Il est fou. Je t'inviterai plus loin, mais n'importe quoi. Axou, Non, je c'est pas suis de la sur ta folie. chaîne. Non mais Axu ressemble à Bastos. Axou, tu sais qu'on va voir ta Ah vidéo. bon? Ouais, mais c'est pas grave, frère, je m'en fous, moi. Je m'en bats les couilles, moi, j'ai honte de rien. Moi, je m'en bats les steaks. C'est bon les mecs? Tu crois que j'ai demandé pourquoi que tu quittes la cam et que je sois en plus grand? Mettez-le en égo les gars, dites-lui qu'il fait exactement comme le Je streamer. suis mort. Ah, regarde, c'est le meilleur infiltrateur de YouTube pour que je le paie bien. Mais attends, mais du coup, le mec qui était avec toi, là, qui montait en même temps que toi, c'était un pote à toi. Mais oui. D'où l'histoire que tu lui voulais, je sais pas quoi. Infiltrateur, ouais, c'était plus un. Ouais, filtre. Sinon je relance un live normal les mecs, on va faire du CS, hein, c'est pas grave. Il est quelle heure? Je dois faire mon petit Euroticlé. Oh, il y a Snow! De la dernière fois, les gars, je sais pas si y en a qui s'en souviennent de ce troll Non, je légendaire connais avec Av. Sofia. On n'est pas Non, sur j'irai. CS. Suis Enchantée, sûr que je peux Sofia la retroll. Basta. Je vais lui dire la Exactement. sagesse. Enchantée, Florian. Elle est trop Merci. gentille. Alors, Christophe, aujourd'hui, rien. Pascal, oui, mais ils ont.
Ils sont en train de faire marche arrière pour le pass. Comment Ça, ça, ils c'est sont vrai, la tous raison. Ouais. sur le pass? Demain, tu pourras pas. Ouais. Dans plusieurs pays, ils sont fait marche arrière et puis la raison, Sophia. Ouais, c'est pas bête. C'est où Alors, qu'on voit les mecs c'est bannis bon ou sur. pas, Ben? Renan, bonsoir. C'est satanique, ouais, c'est satanique tout ça, malheureusement. Mais après, Abdullah, mon ami, heureux. Ayen Kam, pardon, j'ai pas vu la cam. Ah, et Sophia, t'es musulmane alors toi, j'ai bien compris. Musulmane. Ok, bah tiens, moi Comment? je suis chrétien. Tu sais ce qui change? Il n'y a rien qui Rien du tout. change. Exactement. Exactement. Hey, Musulman, hey, entre chrétien, les. judaïque. L'éducation. Exactement. L'éducation, c'est pour tout le monde. Mais sans Exactement. rien baiser. Entre ceux qui sont musulmans, ceux chrétiens, et ceux qui sont chrétiens, il n'y a rien qui change. Rien du tout. Rien, c'est pareil. Eux aussi sont pareils. Non, il y a quand même quelques Salam petits. alaykoum, Abdullah. Il y a quand même quelques Alaykoum petits trucs salam. qui. Je ne vais pas vous couper la parole. Ça va bien? Bien, Salut tout toi. le monde. Très bien. Salut Mio. Renan. Renan, bonsoir. Maintenant, il y a Abdullah. Pascal, enchanté, Sophia. Enchanté, Pascal. Abdullah, au top. Au top, tout mieux. Salam, salam, Pascal. Renan, tu es de où, Sophia? Je suis lausannoise, Sophia. Vous voyez pourquoi je n'aime pas dire mon prénom. Il y a quand même 3 graines Je dis pas dans ça les ne me veines dérange qui pas, changent mais le actuellement. Ah problème, ouais, c'est que je Corpsi. fais trop facilement après. C'est ça le problème. Non, mais t'inquiète pas. Moi, je suis pas un tordu. Je vais pas aller te chercher sur Imagine toi, Facebook une Sophia habitant imagine à toi. Genève ou je sais pas où. Le Tu l'as problème, déjà c'est qu'il y fait. a On l'a Snow déjà fait, sincèrement. Je ne et vois pas Abdullah là, qui me trop connaissent. facilement Parce que que là, tu dis comme ça. Milou et Florian, ils sont Ouais, faciles à troll. franchement, tu me Il gères. faudrait Sinon, il y a une que. personne qui m'a envoyé Faudrait un un profil magnifique Ayemba pour un message. autre, quoi. D'accord? Putain. Ouais, Mais mais le problème, c'est que si j'envoie c'est un peu Ishid, il chiant, va quoi. être naze. Clairement, Je l'envoie quand c'est même? après, après, des relous, il y Parce en que là, a. Florian, il est à point, Il y là. a Hein. des Et cons, des Milou relous aussi, hein. Je pense stupides que Milou, il est. partout. Abdullah, ouais, il est Comme frais, ça, ouais. comme Abdullah, ça. la dernière fois, on a eu un bon Après, contact, il est vraiment cool. je comprends, il n'y a pas de Mais souci. Florian, je pense qu'il est fait, non? Religion est là. Religion, ce qui change après, on reste tout être humain. Exactement, Benny. Bien dit, Exactement. Ben. Benny, pardon, Ben. Bien dit. Et puis Quand toi, il y a eu le reveal, elle Abdullah, avait la haine contre t'es moi ou d'où, pas, Abdullah? Snow? Moi, je suis du Maroc. T'es du Maroc? Là, sérieux? En direct de Casablanca. T'es Oh, non, trop fort. j'aimerais tellement être là-bas au Maroc, putain. Il paraît que c'est super cool le Maroc, les gens ils sont vraiment friendly. Au En travail, direct Abdullah, de. non? Qu'est-ce qu'on Je suis fait à les mecs? On Casablanca, envoie mais je qui reviens demain. pour troll Florian et Miloud? Ah non, je suis à Nancy. Qu'est-ce que je Ah lui non, il est dis, à putain, Nancy. le wifi, il marche vachement bien chez toi. Détrompe-toi parce qu'au Maroc, ils ont de l'argent. Il a très bon réseau, Maroc. Regarde-moi ce raciste, quoi. Ferme ta Ah, je gueule, ouais, putain, j'ai envie de le Valentine, terminer, Valentine, quoi. elle est très bon réseau, Valentine, on s'en regarde, hein, quand il vient Exactement, dans ma s'il live. savait, quoi. Quand même, ouais. Pascal. Non, surtout, ils sont tous Putain, avec des téléphones, j'ai des envie d'y aller, smartphones au mais Maroc, tu putain, sais. c'est chiant, je vais être grillé Tu sais, direct, quoi. c'est copier-coller Elle va à la expliquer France au direct niveau le du principe à réseau, hein. Milou et Tu des sais, c'est Florian. tout. Là, on peut Ouais, tenir une ça se fait, je suis masterclass, les d'accord. gars, Moi, mais je il suis faut un pas trop comédien, là. marocain, comme là-bas, c'est pareil. Putain, chier, Ouais, quoi. Y c'est a pas un optimal, mec, là, hein. J'ai jamais qui veut se laisser tenter? Ouais, mais il eu faut un mec qui a du beaucoup talent, quoi. d'appels et tout ça au Du Maroc. niveau Non, ça d'Ayemba, marche pas mais. très bien. Ouais. Et bien, du coup, t'en penses quoi Bah, de il y en a la si un gars qui veut conversation se lancer ce soir, les tout gars, à pour sa l'heure, qui a première. fini après le live? Alors, Ah non, ça moi, va je être suis du lourd, arrivé. ça va être du gros niveau, Ah, mais. t'es arrivé? Ah, Moi, t'as je suis en revenu du boulot. boulot. Qui se sent Ah, je chaud, suis là, en les du gars? boulot, je suis monté direct. Hein. Ah. Tu veux quoi comme taf? Rentrer sans toquer, tu vois. Non, il n'y a pas Ah, de grillé. Bon, c'est pas je grave, les suis gars. S'il n'y a leader pas. dans un bar. J'ai pas envie de me griller là-dessus. Mais Au pire, je là, t'as relance vu. un vrai live et je repars sur. Je fais un petit Moi, je CS commence ma tranquille pendant soirée, une là, demi-heure. après, je vais aller boire une petite bière avant de rentrer à la maison. Ou sinon, je coupe les mecs. Hein. Il est quelle heure 2h43. Y avait envie de boire un petit Bonne Abdoulah, bière, non? hein, Fatih. Hein. Ouais, je Attends, vais aller. demain, est-ce que je dois faire sortir le matin, le gamin? Ouais, je vais aller dans un petit endroit. Je Demain, on vais est quel rester jour? là. Je vais rester une petite demi-heure et puis je vais rentrer chez moi. Ah, tranquille, quoi. Non, il y Ouais. avait Mbappé, mais je pense Ça qu'il a dû bosse partir. demain ou Attends, quoi? parce que de toute façon, je suis Ouais, fatigué, les gars. bah demain soir, ouais. Pas la journée, non, le soir. Ouais, le Ah, soir, The ouais. Nick Street Name, vous Ouais, voulez pas vous voilà. laisser tenter, les gars? L'Alger, non? On est au Moyen-Âge, au Maroc. Putain, fais chier, quoi. Alors, C'est quoi? Florian. On est en train de Oui, passer à côté du MDR, troll du siècle, Florian. là, je pense. Oh, fais chier, ça me démotive. Bon, en même temps, je me dis, on a fait quand même pas mal de content sur le haut. Déjà, on est loin d'avoir tout mis sur YouTube. Bon, je me dis peut-être se calmer un peu ce soir, c'est pas grave, au pire. Et moi. La personne qui lâche, je crois. Ouais, moi aussi, je suis fatigué. À la limite, une game tranquille.
Il a montré quoi, Riri, le mec tout à l'heure? Ça a coupé pile quand il est rentré. En vrai, je l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, en gros, il a montré, il était en train de twerk, c'est simplement quoi. Je m'attendais à un truc de ouf, mais il dansait quoi, c'est tout. C'était vite fait. Bon, c'était bon, ouais. Il y en a qui étaient sur live, vous avez trouvé ça comment, vous? Vous aimez bien Cindy, les gars? Une buveuse de DSP, putain, ça c'est overpige, non? Déjà avant, il y a plusieurs années, quand j'étais mineur. Et j'avais installé là il y a pas longtemps. Nasax, Limongram, n'aime pas. Voilà, je sais pas. Je peux pas faire monter quelqu'un, il faut trop que je fasse de bruit. Si j'aurais mes écouteurs, j'aurais pu. Si j'aurais, bon, allez, ok, je me tiens. Plus elle fume. Pourquoi les filles jolies Tu veux pas avoir Mamacita aussi, c'est ça? Oula. Tu veux un pas là-bas? Zarma. Pourquoi les filles jolies n'ont rien dans le crâne, les gars? Enfin. Fais Zarma, tu vois. Excusez-moi, heureusement qu'on est en seconde ligne. Ouais, Lazmo, tu as dit quoi là? Là, ça va, là, ça va. Ouais. Bah, par contre, c'est pas lui qui clashait qui a insulté direct. Ok, bah alors lui, fils de pute, attendez. Lui, le farceur, je m'en occupe. Ouais, c'est le saint. Tu vas nous ensorceler là. Et alors. Quand j'ai vu Zimo là, j'ai dit, mais c'est qui celui-là? Il sort d'où lui? Il avait les yeux chinois. J'ai dit, attends, c'est un chinois ou c'est quoi, moi? J'ai cru que tu étais un chinois. Et j'ai fait un live. Oh non, on m'a dit que j'étais un chinois. Je suis éclaté. Ah, t'as fumé? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Voilà les rabattes. Voilà les rabattes. Salut, je peux monter, maman. Et vous alors? Ouais, tu veux monter pour. On raconte. Tout le monde veut parler avec Richie. Hein. Monte si tu veux parler avec Gizmo, tout le monde veut parler. Hein. Ah ouais, ils vont monter parler avec toi, les gens. Ah, bah, comment on se retrouve, nouveau riche? Salut, Mamacita. Je veux juste parler à la riche. Hein. Écoute-moi bien, ouais, tu étais dans jaune. Qu'est-ce qui t'a pris d'insulter l'autre fille là, sur l'autre live? Tu fais moi le malin maintenant. Hein. C'est ce que tu vas faire, Mamacita, après? Tu vas rien enculer du tout. Tu fermes ta gueule, en plus, avec ton sweat marseillais dégueulasse. Là, avec des cheveux de paille. Tu ressens non, là une antenne parabolique. Mais non, non, mais m'insulte même pas. Il va pas insulter les gens. Mec, je connais des Comoriens à Marseille, donc évite de parler mal, mec. Bon, respecte le Renan. En plus, t'es un putain de raciste. Dis la vérité, t'es un raciste. T'es un raciste, mec. T'insultes les filles. Non. Je le connais, il est gentil. Mamacita, il a insulté une fille tout à l'heure. Il a harcelé. À chaque fois, il remontait sur le cœur pour l'insulter, Mamacita. Je te jure. J'ai la preuve, j'ai des vidéos, j'ai tout enregistré. Regarde, c'est enregistré sur mon ordinateur. Je l'enregistre, regarde. Je l'enregistre. Toi, faut te baffer ta gueule. Il est enregistré. Oh là là. Pourquoi tu chuchotes, nouveau riche? Pourquoi tu chuchotes? T'as peur de moi ou quoi? Mais il est gentil. Je t'enregistre, regarde. Oh là, enregistre, fils de pute. T'as que j'ai peur de toi. Ouais, je t'enregistre aussi. Ouais, je t'enregistre aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Je vais te voir. Je vais faire quoi? Pourquoi tu menaces, toi? Toi, je t'enregistre aussi. Je t'ai fait quoi, toi? Zino, je t'enregistre. Parce que tu prends sa défense depuis tout à l'heure. Tu défends un putain de raciste. Donc, toi aussi, je t'enregistre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu parles à un... Tu dis à un arabe, je pense. Attends, tu es un fou, toi, ou quoi, frérot? Et regarde-moi. Est-ce que tu habites dans une ville pourrie comme Lyon? Tu dois habiter à Villeurbanne, espèce de clochard. Tu dois habiter à Villeurbanne. T'as une dégaine de Grenoble en plus. Va sucer tes montagnes, sale pauvre. Ouais, je te parle. Tu parles à moi, là? Toi, les nouveaux riches, bande de vieux mecs qui essaient de draguer une meuf. Tout le monde comme ça. Je vais mourir. Elle me régale. Parce que vous m'énervez. Vous laissez pas Mamacita, c'est une Renoir comme moi. Laissez les Renoirs tranquilles. C'est une fille belle pour moi. Écoute, tu sais d'où je viens, moi? Tu sais d'où je viens? Écoute bien, moi je viens de Mayotte. Alors ferme ta gueule avec tes Comoriennes, je sais pas quoi. Bande de. À la foudre. Yorongwashigazidja. Écoute-moi bien, Matara. Daurumbonia. Ouni ouli. Toi, tu crois que allez, je t'ai terminé en Comorien, tu vas faire quoi? C'est pas pareil. Écoute bien. C'est exactement la même langue, mec. Les insultes, c'est pareil. Les insultes, c'est pareil. Oui, les insultes, oui. Ouni ouli. Daurumbonia.
Hey, écoute-moi, Edouard Balladur. Hey, écoute-moi, Edouard Balladur avec tes chicots, là. On dirait. Oh putain. Ouais, on dirait personnellement, je ne vais pas vous mentir. Hey, nouveau riche. Moi, je ne suis pas dans la méchanceté humaine. Moi, je ne suis pas dans la méchanceté humaine. Zino, Zino, je te jure, toi, je te respecte parce que tu es de Mayotte. Toi, il n'y a pas de problème, Zino. Mais par contre, nouveau riche, écoute-moi, enculé de tes dents jaunes avec ton vieux survêt de Marseille. En plus, tu rigoles. Tu as insulté une meuf. De pute, toi et elle, je t'encule, t'es avec sa tête de fils de pute, quand tu fais peur, je vais te niquer ta mère si je t'accrape, fils de pute. Je t'enregistre. Pauvre pédale de pédale que t'es, vos. Pauvre pute, vos. Je sais pas, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, moi je trouve ça mauvais. Mamacita, je m'ai insulté, je l'enregistre. Les insultes. Oui, c'est malveillant. Tout le monde insulte partout, partout. Il y en a c'est beaucoup. Ça qui a tué les jeans. Il y en a un, il s'appelle Fabien aussi. Il a insulté moi aussi hier et quelqu'un l'a bloqué, tu vois. Voilà. Arrête d'insulter, arrête d'insulter. Il y a rien. Nouveau riche, arrête d'insulter. En plus, t'es en ASMR, on n'entend même pas ce que tu dis. Parle plus fort. T'as peur de te faire daronade ? Il y a de la famille chez toi qui dort ? Maman, c'est toi, pose ta bière. Non, mais je bois pas, moi. Franchement, je bois pas la bière. Je bois rien du tout. Ah. Eh les gars, je vais imiter Nouveau Riche. Il est comme ça depuis tout à l'heure avec sa tête. Je vais te faire perdre 10 kilos, gros porc. Moi. Je vais te faire perdre 10 kilos, gros hallo. Et je vais te faire perdre 10 kilos, gros hallo. Nouveau Riche, on n'entend pas. Je m'appelle Laurent, il est fils de pute. Oh là là là. Ok, t'as l'air gentil, maman. Oui, je suis gentil, maman. Cita, elle a un bon cœur, très très gentil. Maman Cita, elle a un cœur énorme. Pour, j'adore. Voilà. Maman Cita, je suis sur ton live, mais je suis désolé. Nouveau riche, il est vraiment. Il a embêté une fille, en fait, juste avant, je te jure. Oui, mais il a embêté. Moi, il me... moi je l'aime bien. Moi, il insulte pas. C'est un quelqu'un bon. C'est... Ouais, c'est quelqu'un de bon, mais et pourquoi, alors, pourquoi les noirs, arrive. Il est gentil avec les noirs et il est mauvais avec les blanches? Mais non, il a des amis noirs. Il a des amis noirs. Son meilleur pote, c'est un noir. Hein. T'inquiète. Sûr. Il a fumé. Okay, okay. Il a fumé. Il fume aussi. Tu comprends quand fume. Tu fumes, il dit n'importe quoi. Quand il fume, moi, il dit n'importe quoi. Ouais. Tu vois. Voilà. Nouveau riche, baisse d'un ton, apparemment, tu on fumes. Peut pas, on ne peut pas le contrôler, tu vois. Ok, ben là, on ne le contrôle pas, il insulte. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde insulte. Ça arrive. Est-ce que je t'ai bien parlé mal? Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Ah, jamais, jamais, jamais. Après, les gens, ils l'insultent parce que les filles l'insultent. Voilà, après, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais pourquoi il répond ? T'es d'accord, Mama Cita, il ne faut jamais répondre. Le problème, c'est que Nouveau Riche, à chaque fois, il répond, il l'insulte. Ça se voit qu'il mesure 1m60 dans la vraie vie. Après, peut-être qu'il a bu un peu, je ne sais pas, peut-être il boit aussi. Voilà. Si, tu bois, tu bois. Voilà. Tu bois. Mollo sur l'alcool, Nouveau Riche, c'est haram. L'alcool, c'est haram, gros, frère. Ta gueule, gros, arrête de donner des leçons, toi, pédale. Tu montes et tu m'insultes. Faut pas les goûter. Faut pas les goûter. C'est haram. Faut pas les goûter. C'est haram. T'es un bouffon, toi, t'es un petit bolos. Voilà, tu viens, tu montes pour des meufs, tu me cries dessus. Alors que c'est la meuf qui m'insulte. Et moi, je fais que de me défendre. Voilà, faut alors, parler comme ça. Mais non, tout à l'heure, t'es monté plusieurs fois. Et pourquoi tu l'as insulté, la fille, tout à l'heure? Vas-y, dis-moi, explique-moi alors. Parce qu'elle m'a insulté, gros, sur un autre live. Elle m'a insulté, gros. Elle m'a insulté deux. Ah ouais? Ouais, et mais moi, je savais pas, moi, ça, moi. Ouais. Ah, bah, la vie de ma mère, t'es un frérot alors. Bah, désolé. Ouais, alors, faut parler. Alors, t'es un frérot. Bah ouais, oui. Faut parler en fait. Excuse-moi, je savais faut pas moi. Faut parler, c'est tout. Il n'y a rien. Bah ouais. Sinon, moi, il ne m'insulte jamais. Hein. Moi, il ne m'a jamais insulté. Ah ouais. En fait, voilà, il est gentil. Temps, il est okay. Oui, il est gentil. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Il est gentil. Bah, voilà. Nouveau riche, gros, on s'excuse. Vas-y, je suis désolé, frère. Je savais pas moi. C'est bon, tranquille, j'accepte. Voilà. Mets la main. Mets la main. Merci. Voilà. T'inquiète, gros. Il y a rien. Bon, bah, je vous laisse Zinou, alors. C'est de bon. Fumer, là. Zinou, bon live, les gars. Les couilles. Ouais. Ciao, Edouard. Ouais, ciao, les gars. Ouais, désolé, Zino. Ciao. Il n'y a rien. Ciao. Si, la raison. J'étais sur un live avant, mais c'était la meuf. Confusion. Elle... C'était une confusion. Non. On sait, t'inquiète. Moi, j'ai mis le manteau. J'en ai les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Il n'est pas trop marrant, lui, quand il insulte en ASMR. Oh putain, je suis mort. Non. T'as fumé. Elle est trop mignonne, Mama Cita, les gars. Ça se voit, si nous, on s'en bat les couilles. Il fume tranquille.
Moi, je prends pas la tête. Moi, les insultes, c'est quand j'avais 16-17 ans. T'as vu, juste pour le pardon, il est validé. Il m'a quand même serré la main. Ça, c'est pour les mineurs, les gens. Vous pensez qu'il va me défendre quand il y a Karim qui va vouloir me frapper? Ils aiment bien rigoler. Ils aiment bien rigoler, il n'y a rien. Je veux pas de ondes négatives. Moi, je veux pas des ondes négatives dans ma vie. On a bien fait de se rabibocher, les gars, non? Tu vois, tu règles les choses. Mais là, c'est des caméras, les gars. T'as vu, enregistrement, ça parle, ça insulte, lui, réplique. Oh! Moi, je fume. Voilà, et j'en bats les couilles, on fume, on rigole. C'est le live, on rigole. Je m'en fous. Ouais. J'ai bien fait, les gars, c'est moi, important. Moi, je rigole. Que les de la gens, paix sur la TV. Ils viennent insulter, on rigole. C'est rien du tout. Ouais. C'est partout. Le seul truc que je gaspille, là, c'est ma batterie. C'est tout, pas mon énergie. Ouais, elle va se calmer, la Whoopi Goldberg, là, raconte c'est des conneries. Allez, hop, pose ta bière. Ouais. C'est signe d'intelligence, en tout cas, t'as bien fait, ok. Ah ouais, non, mais je sais pas, faut au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. S'il est rigolo, les lives. S'il est rigolo. Ouais, j'adore les lives en multicam, les mecs, c'est pas les meilleurs quand t'es infiltré. Giuseppe, un truc comme ça, Néné, Mom, Mélina, Luc. C'est trop drôle d'embrouiller quand même, putain. Vous puisez pas votre force de divertissement dans l'embrouille. T'as pas foutu. Oula, elle m'a fait bugger le truc. Dans les serveurs publics, pourquoi tu racontes ça, Nato? Ouais, mais Yelena, maintenant, on la connaît, tu vois, donc tranquille. Yelena, bon, on a fait le tour, les gars, on a tout vu avec elle. Elle parle de bite, de chibre, à chaque fois elle parle de se faire enculer, enfin elle est très très... Après si ça vous excite les mecs, un trans qui parle de chatte et tout, de bite. Tant pis, tant mieux pour vous, mais bon, c'est bon. Non, non, elle montre son corps en plus, des fois la dernière fois elle a montré ses fesses et... Pff, c'est bon, j'ai eu ma dose. Qui était en mode full raciste hier? Il était en love. Il y a Vif, il y a Pierre, il y a Ish, mais il y a Pierre, il y a pas. Là, voilà, Lémi. Bon, attends, je vais pisser, j'arrive. Il s'est passé quoi? Fait, si tu veux, parce qu'en fait, si tu veux, il était en love sur une pote, tu sais. Mm-hmm. Et depuis attends, que. Je descends. Et le gars, j'avais H24 de ses nouvelles quand elle était sur le vous, tu sais, qu'elle était célibataire. Et depuis qu'elle s'est mise en couple, bah, j'ai. Vous voulez aller voir Yelena? Non, c'est pas le Diablo, c'est AlphaCast. Il faut juste se préparer mentalement avant. Elle, c'est même l'homo. Quand tu te prépares mentalement avant, quand ça arrive, crois-moi, tu le sens. Ah, tu sens la patate, même si t'es préparé. Non, mais pour chaque relation, il y a une fin, c'est ça qui... Oui, tu te fais pas entuber pareil, mais si tu te prépares pas un minimum avant, c'est clair. Non, bah allez, c'est tranquille. Harley Quinn, ça peut être lourd ça. Non, attends, je regarde un dernier truc parce que je suis un peu dead. Il t'a mandaté pendant 8 mois. Il se branle. Il n'était pas jugé, tu vois, il attendait le procès. Il va se branler. Il a été déféré à 13h30. Il est rentré à 21h. Il est rentré à bout. Il m'a dit, ouais, j'ai pris 5 piges. Oh putain, ça craint. Ça craint à 5 ans. Eh bien, non, mais il faut arrêter de faire des conneries, c'est tout. Ah, mais encore, tu me dis que si tu fais des conneries, que ça rémunère. Tu vois, ça rémunère. Que dehors t'es bien et tout ça, rien de là, tu vois, c'est le seul truc. Mais même, faut arrêter de faire les conneries. Ouais, faut arrêter, c'est inutile. Attends, je vais voir s'il y a une discussion profonde. J'arrive, les femmes, j'arrive. Oula. Il a dit j'arrive, les femmes, j'arrive. Maman. Il est chaud. Il y a Bounty, mais non, les gars, on va pas aller voir Bounty, putain. Bounty, elle m'a DM, les mecs. Hein. Putain, mais. Je lui ai fait le coup de la guitare. Bounty, putain, vas-y, c'est quoi, on va lui. Oh, elle va bander, elle va mouillax, les gars, si je lui fais le coup de la guitare. Malheur. Putain, je suis modo en plus. Édouard, coucou Édouard,
Comment tu vas, Edouard? Salut. Coucou, comment tu vas, Edouard? Regarde, je me suis sorti, j'ai sorti mon plus beau latéral. Pardon? Regardez, regarde, tu vois ou pas? J'ai sorti ma belle guitare pour toi. Ah, c'est gentil. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, je vais te chanter une petite chanson. Ah, bien. Cette chanson, je pense à toi toute nuit, ma petite. J'aimerais te rencontrer, te faire découvrir véritable amour. T'es mon boutique, et pas à Mars, à ma désert. Voyager dans le monde, tu mérites de connaître le véritable amour. Il y a des tons trompés et t'ont fait du mal. Mais avec moi, ça ne se passera pas comme ça. En all-in, en all-in, inclusive, je te garde où je serai. Dans tes rêves, car tu le mérites, boutique, boutique, c'est si joli, boutique, j'aime beaucoup, j'aimerais fonder quelque chose avec toi, ma boutique, vive une souffrance. Avec moi, ce sera pas la même chose que les autres. Car ta chevelure dorée m'en fout, t'es si belle. Ta beauté, t'es si belle et délicieuse. Le mille fois comme on aimerait caresser toute la nuit. Je suis à toi. Non, non, t'es pas à moi. Ouais, je sais. Bon, je tente ma chance, hein, je ne sais jamais. Hein. Comment tu vas? Exact. Ouais, ça va, Edouard. Et toi? Ouais, bah, depuis la dernière fois, ouais, j'ai été bouleversé parce que voilà, t'es une fille sympa et avec qui, qui je m'entends bien. C'est cool. Ouais, il y a deux jours, ouais. Mais le duc et Anto. Voilà, ils savent pas ce qui s'est passé sur le live. Ah, ils sont pas au courant. Ah, ils vont être jaloux. Non, 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 ils sont pas au courant de ce qui s'est passé il y a deux jours, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils comprennent pas, à mon avis, tu vois. Ah, ils comprennent pas le feeling, la musique, le non, contact non. qu'on a eu. Comme t'as un modo, ils savent pas ce qui s'est passé il y a deux jours sur le live. Les hackers qu'il y a eu il y a deux jours. Ah oui, ah oui, il faut le raconter, ouais. On a été débordés, ouais. Maintenant, bon, c'est cool, il y a beaucoup de rouge. Alors, pour vous expliquer rapidement. Attends, il y a le duc qui monte. Voilà. Voilà. J'aimerais bien. Quand salut le duc, monte, ouais. Anto, j'aimerais. Ouais, comme bien ça, je fais connaissance monte. Un peu avec eux, ouais. Je vais faire connaissance. Voilà, parce ouais. que le duc. Bonjour, Edouard. Bonjour.
Salut le Duc. Ouais, le super, j'ai découvert il y a quelques jours Bounty, je me régale sur ce live. Mais non, mais on veut savoir maintenant, on n'est pas au courant. Ah, on va dire que je suis arrivé à la rescousse parce qu'elle était débordée et du coup, il y avait quelques amis qui étaient là pour lui expliquer parce qu'il y avait des gens qui étaient très mal intentionnés, qui voulaient prendre le contrôle et pirater en fait. Ça m'étonne pas ça. Bref. Attends, il y a Anto qui monte aussi. Ouais, en gros, voilà. T'as des mecs, il y a un gars qui était cagoulé, c'était un hacker, qui a voulu pirater en fait Bounty, son compte Lovo. Heureusement que j'étais là. Edouard, bien, ce que t'as fait, bien. Merci, on a fait le nécessaire. Ben non, mais merci pour elle surtout. Ouais, voilà. Ouais, parce que il y a deux jours, moi, le mec... je l'ai pas vu arriver, voilà. Je l'ai pas vu arriver, voilà. Il faut dire ce qui est. Et heureusement qu'Edouard était là, parce que le mec. On parle de Franck. Je sais pas si vous l'avez connu. C'est pas le même Franck, Anto. Mais pas Franck que tu connais, Anto, hein. Si c'est Franck, il va m'entendre, hein. Non. C'est pour ça que ce soit le même, hein. Quoi, non mais des involtres. Non, Anto. Mais écoute, Edouard, merci pour elle. Merci beaucoup. Ben, j'ai fait le nécessaire. Le problème, c'est qu'il faut toujours se méfier, le Duc. Bon, il ne faut pas bannir. Il faut d'abord, connaître la personne. C'est Anto le boss, hein. c'est lui le patron. Hein. Anto, il gère bien. Non, mais il faut des gens de confiance, Bounty. Hein. Ah bah tiens, Justine, de la dernière fois. Celle qui s'est fait harceler file. Bounty, pourquoi tu nous l'as pas dit? Non. Ah, il y a Beaufort Breton qui veut participer, on peut le laisser Mais pourquoi les gens, quand t'arrives toi, les gens, ils arrivent et ils veulent monter? C'est incroyable. Parce qu'en gros, je t'explique. Sur Lovo, ça m'arrive de faire des lives et j'ai une communauté de personnes qui me connaissent. Donc, je suis assez connu en fait sur Lovo. Ça m'arrive de faire des lives et il y en a qui apprécient ma mentalité et ma personnalité. Voilà, regarde le mec. Le mec qui n'a pas de photo, et il a fait sur les couches Pampers. Comment il a cette information? Attends, je m'en occupe. Sur les couches Pampers. Voilà. Les 100 photos, faut enlever, hein, les gars. Maintenant, on reste restez concentrés, mais tous les 100 photos, vous les enlevez. Beaufort, on peut le laisser. Pourquoi tu veux monter, Beaufort? Anto, c'est lui qui gère. Anto, c'est lui le patron. D'accord, ouais, ok. Anto, voilà. Anto, il travaille dans quoi? À l'armée? Anto, c'est son ami, c'est lui qui gère, c'est lui le... Ah, ils se connaissent dans la vraie vie, ok, bon, ça c'est une bonne chance. Voilà, c'est une bonne chose. On se connaît avec Anto, Ok, ça c'est cool, ça. Alors, j'ai été abusé aussi, j'ai vu ton histoire par Franck. Ah bah voilà. On a encore un témoignage, Bounty, d'un gars qui a été la victime de Franck. Ok, bah tu peux monter, il faut voir avec Bounty pour expliquer ce qui s'est passé, ouais. Je vais peut-être se moquer de l'enfer. Attends, j'enlève un sans photo. Salut, Beaufort. Mais moi, on peut m'afficher sur YouTube. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai quoi à cacher? Rien. Non, moi, mais Bounty, personne ne va t'afficher sur YouTube. Personne ne le fera. Il y a quatre personnes qui sont là pour te défendre déjà. Alors, voilà. Vous allez l'entendre, Beaufort? Vous m'entendez ou pas? Oui, il entend, oui. Vas-y. Ah mince. Vas-y. Redemande. Il est parti. Après, comme j'ai dit, c'est Anto, c'est lui le patron. Voilà. Le Duc, je voulais savoir. Mais malheureusement, ce soir-là, tu vois,
il y a deux jours, comme je t'ai dit, le duc, tout à l'heure, ce qui m'est arrivé il y a deux jours, il n'y avait aucun mot d'eau et il est arrivé Edouard. Voilà, je l'ai mis en mot d'eau. Bah, merci. Rapport hein. Bah, ouais, bah, en même temps, passé, ça fait 4 jours que je ne suis pas dessus, donc voilà. Je suis désolé. Le duc, ouais, en fait, il faudrait que dès que Bounty lance un live, il faudrait qu'un de nous trois soit là. Ben ouais, mais hey, Edouard, c'est pas méchant, mais j'ai autre chose à faire dans ma vie. Ah. Ouais, on est. Tu vois. Voilà. Tu voulais dire quoi, Anto? Comme j'ai dit aussi, c'est pareil. Moi, ça fait, comme j'ai dit à Bounty tout à l'heure, ça fait 3-4 jours, je suis pas là. Moi. Voilà, bon, voilà. Ça fait 4... J'ai des mots. Bah ouais, bah. Comme... Bah, il faut être investi, les gars. Il faut... Moi, je suis un minimum là, j'ai du temps, j'y vais. Hein. Oui, mais attends, Edouard. Toi, t'es arrivé le jour. Ouais, mais toi, moi j'ai une vie aussi. Où c'est arrivé, voilà. Ah, t'as une femme et des enfants? Ah, moi je suis célibataire. Non, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une vie. Tu vois. Ah, je travaille. Oui, voilà. Je veux dire, mes modos, comme je t'ai dit, Edouard, j'ai des modos, mais ce soir-là, ils n'étaient pas là, mes modos. Voilà. Malheureusement. Okay. Voilà. Remonte, Beaufort, si t'es là. Tu demandes à Bounty de t'accepter. Ça serait bien qu'on ait quelqu'un qui s'explique après, qui pourrait expliquer au duc. Bounty, c'est vraiment après Bounty, c'est elle a vraiment un gros problème. Je pense que elle a les moyens de communiquer avec moi et puis voilà et puis on va régler les choses. Comme avec toi le duc, comme avec Anto, j'ai vos numéros à tous les deux. Voilà, il y a pas de souci. Déjà c'est déjà bien ça. Ouais, mais bon. Moi, par rapport à Bounty, on est à 20 bornes l'un de l'autre. Ouais, oui, on n'est pas loin. Ah, ouais, bah... Ah, bah c'est bien, vous avez pu vous rencontrer du coup. Après moi, j'habite à Paris et à Punta Cana. Donc, soit il y a 1000 km, soit il y a 10 000 km. T'as vu, donc c'est compliqué. Ah, t'es entre Punta Cana et Paris, toi? Ouais. Tu travailles dans le tourisme? Dans l'immobilier. Ok. Ah, t'as des maisons à Punta Cana. Bref. Ok. Bon, apparemment, tu veux garder le... No comment. Ok, ok. Voilà. Mais c'est vrai que ce soir-là, comme je t'ai dit, le duc, il y a deux jours, qu'il m'est arrivé un truc, tu te rappelles tout à l'heure? Ben non, mais justement, tu me dis comme je t'ai dit, mais non, t'en as pas parlé, donc... Non, voilà. Je t'en ai pas parlé, voilà. Merci Justine pour le cadeau. Merci. Merci beaucoup. Je t'en ai pas parlé. Je t'ai dit, il m'a arrivé un truc, merci à toi. Voilà. Merci à toi. Bah, c'est gentil. Moi, j'ai essayé de sauver l'affaire parce qu'elle était débordée. Je l'ai vue en détresse et je me suis dit, il faut que je l'aide. Tu sais quoi? C'est bien ce que tu as fait. Félicitations. Bah, c'est gentil, merci. Bah, en tout cas, il y a une bonne mentalité, un bel esprit chez Bounty. Bah, tu sais, ici, on a tous une bonne mentalité, en fait. Ouais, exactement, voilà. Tu vois, là, c'est mes deux modos. Le duc, Anto, voilà. C'est les deux modos que c'est les deux personnes sûres. Voilà, et que j'avais pas ce soir-là. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Comme je t'ai dit, Edouard, j'ai des modos, mais malheureusement, ils n'étaient pas là ce soir-là. Voilà. Fais une demande, Beaufort, si tu veux vraiment témoigner sur ce qui s'est passé, si tu as été victime de la personne de Franck. Accepte Bounty pour voir s'il a du son maintenant. Après, je vais dire un truc, si c'est le Franck que je connais, il va m'entendre. Je te dis honnêtement. Il va pouvoir nous dire, Beaufort. Attends, parce que Franck. Mais je pense pas, parce que le Franck que je connais, il est très respectueux, donc ça m'étonnerait que ce soit lui. Merci beaucoup. Ah, vas-y, développe l'histoire vite fait, Edouard. En gros, il y avait des faux profils qui sont débarqués et qui ont commencé à parler dans le chat. Ensuite, ils sont montés en cam. Et ils ont commencé à filmer leur écran. Et on voyait des programmes de hacking. Et ils expliquaient qu'en fait, ils prenaient le contrôle de certains comptes Lovo. C'est bon, je sais qui c'est. C'est bon. C'est... Ah. Et après, mettre ça sur YouTube. C'est bon, je sais qui c'est. Exactement. C'est bon. Voilà. C'est bon, je sais qui c'est. Laisse tomber. Hey. Blablabla. Quand ça aboie, ça ne mord pas. Ils ne vont rien faire du tout. Je te dis tout de suite. D'accord. Bah, après, Bounty, elle s'en fout d'être sur YouTube. Ah, mais moi, je m'en bats l'œuf. Hein.
Je leur ai dit, hein, allez-y, hein, mettez-moi sur YouTube. Hein. Vous allez mettre quoi? Il n'y a pas de photos de moi de cul. Il n'y a rien, à part des photos habillées. Vous pouvez y aller. Hein. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Non, mais Bounty, justement, c'est ce qu'ils cherchent. C'est est-ce que tu fasses un faux pas pour te mettre sur YouTube. Donc, tant que tu ne fais pas de faux pas, ils ne vont rien faire du tout. Eh, quand ça aboie, ça ne mord pas. Je te le dis tout de suite. Je les connais très bien, ceux qui font ça. Et j'en connais un Franck qui fait ça. Et tu as tout à fait raison. Oui, ouais, et non, c'est pas c'est Franck. C'est pas Franck que Anto connaît. C'est un autre Franck. Agent de sécurité. D'accord. Je ne dis plus rien, mais tu n'as rien à craindre. Ouais. Normalement, ouais, bah, si le duc il dit qu'on a rien à craindre. Non. Coucou les bébés. Ouais, t'as pas montré ton cul, t'étais pas à poil. Hein? Non. Mais j'étais comme voilà. Ça. Non. Je discutais. Non, mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est que tu fasses un faux pas pour te mettre sur YouTube. C'est ça qu'ils veulent, tout simplement. Voilà. Et c'est, le duc, c'est pas que sur YouTube. En gros, ils vont récupérer l'image et la mettre sur un site porno. Et ça, c'est très grave, ça. Bah ouais. Non, mais, coucou, Colo. Écoute, mais, comment tu vas, Colo? Non, mais ça, ils le font avec tout le monde, Edouard. Ça, ils le font avec tout le monde. Moi, je me suis retrouvé sur Adopte un mec. Je me suis retrouvé sur adopteunmec.com. Bon. Pff. Bon, ouais, c'est sûr. Je vois le genre. Mais moi, ça me fait rigoler, en fait, parce que. Mais c'est, en général, on a affaire à des gamins qui se cachent derrière leur ordinateur. Hein. Voilà, c'est ouais, ça, c'est des, contre, gamins. C'est des gamins, ils ont 12 piges, ils ont que ça à foutre. Voilà, c'est tout. Ouais. Par contre, j'aimerais te poser une question, Edouard. Ouais. Pourquoi à chaque fois, ça fait deux fois que tu viens et deux fois que Justine, elle est là? Ah, par contre, il va falloir qu'elle m'explique. J'ai l'impression qu'elle me harcèle, celle-là. Bah, alors, je sais t'explique. Pas, l'autre jour, tu lui as dit, tu as 22 ans, je m'en rappelle, avant-hier, je vais te raconter un truc, Bounty. J'essaie de me rapprocher de toi, mais en fait, Justine, comment dire, parce que moi, je préfère les femmes mûres. Mais je ne sais pas, les deux démons sont revenus et je me suis dit, pourquoi pas elle, tu vois. Je suis désolé, j'ai répondu à ses messages privés. Et on a avancé un peu j'ai discuté, je sais pas comment dire. Excuse-moi. Salut Liberté, excuse-moi, je t'ai coupé, Edouard. Non, il n'y a pas de souci, c'était une question. Parce qu'il y a deux jours, tu lui as dit, t'as 21 ans, j'aime les femmes. Je sais, je me suis laissé tenter. Voilà. T'as 21 ans, Edouard. Non, j'ai 35. Non, non. Justine, elle a 22 ans. Quelle chance. Non mais t'es encore jeune, le duc, toi aussi, arrête. Non, arrête. Je suis plus proche de la fin que du début. Faut arrêter, hein. elle approche ses 22 ans, elle est intéressée par moi, le duc. Je vais pas dire non, non. Non, mais je plaisante, ça me regarde pas du tout. Bon anniversaire, Justine. Après, c'est moi, vrai que tu vois, j'ai parlé en privé à Bounty, j'aurais pas dû. Ah, mais tu fais ce que tu veux. Mais écoute, moi, j'étais marié pendant 10 ans. Ouais. Je cherche rien du tout. Moi, Bounty, c'est une amie. Vraiment. De rien, Justine. Ok. Et je te jure, sur les yeux de mon frère décédé, je ne cherche rien du tout. Voilà. D'accord. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Non, mais moi, en tout cas, mes sentiments ont évolué. Moi, j'aime bien les gens comme toi. Qui sont intelligents et qui ont du dialogue et qui sont polis, j'adore. Voilà. Ah non, moi je respecte tout le monde ici, hein. Toutes les religions, les différentes classes sociales, il n'y a aucun souci. C'est l'éducation après, le duc. Hein. Écoute, moi j'ai bien été éduqué, moi je suis poli avec tout le monde. Voilà. Après, oui, c'est sûr que Justine m'a fait… Voilà, on s'est parlé, on s'est bien entendu. Je suis désolé, Bounty, je lui ai répondu. Et voilà, on a échangé, etc. en privé. Mais moi, il n'y a pas de souci, Edouard. Attends, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu m'as dit simplement, tu lui as dit à Justine, c'est pas la peine. Au début, oui, je l'ai dit ça, ouais, c'est vrai. Et voilà.
Voilà. Après, pensais pas que j'allais être attiré par une jeune fille comme elle. Tu fais ta vie avec elle, hein. Moi, il y a personne. Je pensais pas être attiré par une jeune fille comme elle. Oh. Justine, bah, vas-y, monte. Vas-y, Justine. Vas-y, tu... De... Justine, viens. Attends, je... Non, mais attends, je laisse ta place. Non, mais reste, Luc. Reste, Luc. Bah, non, mais il n'y a plus de place. Mais pourquoi ? Mais ici, il y avait de la place. Mais si, il y avait de la place. Pourquoi elle est partie ? Bon, accepte, Justine. Comme ça, je te la présente, le Duc. Non. Tu vois si ça peut matcher. Non, Edouard, s'il te plaît. Non, pas pour toi. Je suis en plein divorce, frère. Non. Non, je sais bien, mais je voulais avoir ton avis, tu vois. Je suis pas là pour donner mon avis. Bah, vas-y, hein, Justine, monte. Hein. Ok, bah, elle me suit. Alors, je le suis juste sur les lives, car j'aime bien. Ouais, enfin, tu m'as envoyé quand même quelques messages et quelques photos, quand même, Justine, dis la vérité. Enfin, bref. Mais, je vois pas. C'est bon, Edouard, il n'y a pas besoin. Je vois pas de Justine, moi. C'est bon, hein. En fait, c'est JXSTXNX. Putain. Ah ouais, bah oui, j'avoue. Ah, bah. T'as vu un peu le profil? Ah bah, non, c'est pas ça, non. Voilà. Mais... Non, tiens, mais c'est pas tiens, ça, tiens. C'est que. Le Duc. Salut, Justine. Salut. Bonjour. Ah, bah oui, ben non, mais JXSWR, ben, ça veut pas dire Justine. Ça veut dire Justine. D'accord. Donc, bon. Bon, non, bonjour, Justine. Comment allez-vous? Elle était là il y a 2 jours. Voilà, quand il s'est passé les choses. Anto, il a dit Justine en romain. Mais c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, bonjour, Justine. Alors, comment t'as tu m'avais fait une chanson à la guitare, c'était voilà, simplement pour arriver, pour mettre l'ambiance. Ouais. Mais c'est pas ce que tu penses, les paroles, ça voulait rien dire, voilà. Je préfère te le dire. Ouais. Comment ça se fait que t'es là? Me dis pas que t'as vu ça. Moi, ce qui me gêne, tu vois, c'est que t'as dit que tu me fais trois et que là, j'arrête des chansons à une autre. Je trouve ça un peu pathétique. Quoi. Mais t'inquiète pas, j'ai fait ça voilà, parce que Bounty, il y a 2 jours, voilà, je l'ai sauvé de la galère. C'était pour moi l'occasion de présenter, enfin voilà, de dire que. Alors Justine, je vais dire un truc. Mais quand même. Si t'es jalouse, tu viens pas sur mes lives, tout simplement, d'accord? On s'arrête là, d'accord? Il n'y a pas de jalousie. Envers toi, il n'y a pas de jalousie. Mais si, tu viens à l'antenne, tu m'as reproché que je l'ai fait pour sur la guitare. Ne dis pas qu'il n'y a pas de jalousie. Voilà. Si t'es jalouse. Tu viens pas sur mes lives. Moi, j'ai pas besoin de femmes en général. Déjà, d'une, je vais te dire une chose. Écoutez-moi bien. D'une, je n'accepte rarement des femmes sur mes lives. Et de deux, si tu es jalouse par rapport à Edouard, tu viens ça pas va, sur Bounty, mes lives. Ça va, Bounty, elle a rien dit. Elle a rien dit de mal. Ça va. Non, elle a rien dit de mal. Après, on s'est pas encore vu. C'est un peu fort quand même. Parce que tout mal. Hein. Moi, je t'aime bien. C'est là, hyper cool parce que je me bats la tête et tout. Et j'ai pas fait que je les avais fait. Mais je t'ai expliqué, Justine, que j'étais sur deux fronts. Je t'ai déjà dit que j'avais envoyé un message en privé. Je lui ai envoyé une photo à Bounty, mais ça veut absolument rien dire. Je te jure que j'avais fait aucune déclaration, à part peut-être sur la guitare. Mais je te jure, c'était pas du tout pensé, hein, les messages, hein, les mots. Hein. Bah, ouais, mais il n'y a pas de souci, on en reparlera après. Bah oui, bah on en parlera en privé. Bah, tu vas voir. Tu vas voir que je suis tout à fait honnête et j'ai rien fait de mal. Ouais, je te... Après, si vous avez des histoires à régler, les réglez pas là. Non, on va pas les régler là, non, tranquille. C'est le live de Bounty, y a pas de souci. Ouais, mais je trouve que quand même, Bounty, elle m'a un peu agressé pour rien, quoi. Moi, non, je suis agressée. Déjà, t'as accepté, déjà, t'as pas agressé. Non.
Non, non, je t'ai non, pas dit. Non, t'as dit, voilà, fais pas tes crises. Non. Sur son live, je lui ai raconté mon histoire et tout, on était tout ça, on s'est tout compris ce qu'on a vécu. Et t'es jalouse par rapport à ce qu'Edouard, il m'a chanté une chanson. Voilà, tout simplement, tout simplement. C'est juste ton cœur, voilà, de jaloux qui part. Hein. Voilà. Jalouse. Mais moi, d'un côté, ça me flatte, Justine. Je te le dis. Hein. Un petit peu jaloux. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mordant, j'ai insulté personne, j'ai fait ça. Là, le petit malin, Edouard. Hey, le Duc, c'est une sensation incroyable d'être, voilà, d'avoir deux fils sur moi. Bah, moi, je ne connais pas. Moi, je la connais pas, cette je la connais pas, cette sensation, mon ami. Ouais, bah, je suis plus où me mettre, à vrai dire. Non, mais t'as raison, toi. T'as raison, toi. Mais bon, il faut pas péter un câble parce que Edouard, il me chante une chanson alors qu'il y a deux jours, quand il m'est arrivé le problème, Edouard était là, Justine était là, donc elle sait très bien la situation. Ben ouais, puis et moi, en plus, la semaine dernière, Edouard, il était chez moi, Edouard. Et on a fait une soirée. Ouh oh, de bâtard voilà. je crois qu'il a ken mes deux cousines, mes deux sœurs. Ouais, il s'est fait plaisir. Oh là là! Oh, le bâtard non. Après, Anto, oui, c'est vrai que j'ai utilisé des mots qui étaient un peu forts. Arrêtez, mais c'était dans le cadre de la chanson, c'était pas du tout pensé. Donc, Justine, si tu veux, je te referai une chanson et tu verras en privé. Mais le truc, c'est que tu vois, Bounty, je suis obligée de venir sur tes lives pour pouvoir entendre sa voix, parce que sa voix, elle m'apaise à Edouard. J'ai besoin de voir tout le temps, en fait. Et vu qu'il m'a un peu supprimé de Snap et tout, ben, je suis obligée d'aller sur les lives et de quitter un peu. Je t'ai supprimé parce qu'hier, en fait, tu parlais trop et je t'ai dit que j'avais envie d'aller dormir. Et tu voulais qu'on fasse un comme tout. Vous savez quoi ? Avec mes 41 ans, là je me sens plus à ma place, là. Et je vais être obligé de partir. Voilà. Moi, avec mes 56 ans, qu'est-ce que je peux dire ? Ah non, non, mais là, je me sens plus à ma place. Là. Je ne sais plus quoi dire là. Ah, c'est chaud là. Je ne sais plus quoi dire. Pourtant, j'ai tout fait. Hein. Je me suis fait teindre en blond. Je me suis rasé. J'ai tout fait. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est mort. Mais t'es encore très jeune, t'as que 40 ans, hein, le Duc, on a à peine quelques années de différence, ça va. Essaye pas de me serrer, toi, je t'ai déjà dit non, ok. Il a cramé mon jeu. Non, non, c'est de l'humour, bien évidemment. Non, mais Anto, je l'ai sur Insta, c'est sur Snapchat, voilà. C'est juste là, voilà, je l'ai supprimé là-dessus, mais on continue à se parler, mais voilà. Bah écoute, si je peux me permettre de dire un truc, je connais pas ton prénom, voilà, on dirait. Justine. Ouais, Justine. Ouais. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est très jeune. C'est vrai. Ça pourrait être ma fille. Mais. Mais qu'est-ce t'attends, frérot ? Non ? Je sais pas, il y a Bounty, et d'un côté, maintenant, voilà, moi je fais. Mais Bounty, tu peux oublier. Hein. Bounty, c'est ça ? Je sais. Ah non, mais c'est pas pour moi. C'est la bonne pote avec qui je m'entends super bien. Bounty, elle veut rien comme moi. Hey, on est tous les deux des divorcés, on est tous les deux des. Ça y est, c'est fini. On veut plus rien. Moi, si tu prends un kangourou, la vie de ma mère sort avec, mais je veux plus de femme. On est terminé. Ouais, c'est fini. Ouais, putain, en tout, il arrive. On dirait du vaisseau mésaire. Quand t'arrives de Bounty. Après, Bounty, c'est le choix de l'expérience, et Justine, ça serait un peu le choix de la raison. C'est vrai. Anto, j'entends pas très bien. Non, parce que j'ai pas mes écouteurs. Mais question. Okay. Pourquoi tu dis ouais, mais il y a Bounty et il y a toi. Ça veut dire que tu es sur deux plans en même temps, en fait. Non, là, c'est bon, là. Je me suis fait une raison. Là, j'ai vu ça, que Bounty. Non,
Non, Justine, arrête. C'est pas ce que tu crois. Justine, je te jure, on a pas mal échangé. J'ai... Pour moi, t'es mon petit crush. T'es mon petit choix à la crème. C'est que au-delà de mon physique. Non, mais ce que j'aimais bien chez toi, c'est qu'au-delà de mon physique, eh ben, tu me disais les choses cash, tu vois. Bah, je t'ai dit que t'étais jeune, t'étais trop jeune dans ta tête. Bounty, moi, je me rejoins avec elle. Au niveau de la mentalité, on se comprend beaucoup mieux. Il y a certaines choses, les filles de ta génération, voilà, c'est pas de ma génération. Donc, là-dessus, si on doit vivre une relation à long terme, il faut qu'on soit en corrélation, tu vois. Edouard, tu t'en comptes. C'est une raison pour me bloquer. Je te retrouve en live en train de faire une musique aussi. Je vais t'expliquer un truc, Edouard. C'est quoi, ça me casser les couilles, je vais me retrouver comme un con, je vais être tout seul, putain. Mais c'est pas ça, c'est pas question de ça. Je vais t'expliquer un truc. Arrête de faire ta victime. Mais non, je suis pas ma victime, mais ça me casse les couilles parce que maintenant, Justine, elle est en train de m'embrouiller. Mais attends, déjà, tu t'embrouilles toi tout seul, déjà. Premièrement. Deuxièmement, si moi je suis descendu, en fait, je vais te dire les choses comme elles sont clairement. Ok, tu as parlé de l'histoire des hackers et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je suis descendu, j'ai envoyé un message à Bounty pour. Tu sais ce que je lui ai dit dans le message? Je te sens pas, en fait. Et Justine, elle n'était même pas dans l'histoire. Parce que t'arrives, tu arrives. Tu ne me sens pas. Je te sens pas. Il y a un truc avec toi qui ne va pas, en fait. Parce que t'arrives, tu arrives. C'est quoi, dans le regard? Non, c'est pas question du regard. Le regard, je m'en tape. C'est ton action, comment tu fais? Tu fais une chanson à Bounty, tu lui dis ouais, c'était Bounty, cheveux caressés, nanani, nanana. Ah, mais là-dessus, oui, j'ai fait ma chanson, je me suis dévoilé en quelque sorte, mais ça veut absolument rien dire. Ça veut pas dire, voilà, j'ai dit ouais, je t'aime bien, je te kiffe, j'ai évoqué voilà, le cœur et tout, mais en aucun cas, voilà, je suis amoureux. Hein, c'est pas parce que je chante une chanson d'amour que je suis forcément amoureux en toi. Je peux causer. Voilà, merci. J'ai pas mes écouteurs, j'ai pas envie de me lever, je suis à poil dans mon lit, j'ai pas envie de me lever. Tu fais une chanson. Tu lui dis, ouais, mais il y a Bounty, c'est le choix du cœur parce que j'aime les femmes matures, mais un peu entre en contrepartie, Justine n'était pas encore là. En contrepartie, il y a Justine où c'est avec qui j'ai bien parlé, je sais pas quoi faire. Donc en fait, tu joues sur deux tableaux différents. Soit tu prends le choix de la femme mature, soit tu prends le choix de la nana qui est plus jeune. Donc en fait, t'es incernable, toi. Vas-y, ça commence à me casser les couilles. J'ai l'impression qu'on me juge. Et alors, c'est quoi le problème? Ça me casse les couilles, sérieux. C'est ma vie, je fais ce que je veux, non? Mais sois clair. Je joue pas sur plusieurs tableaux. Bounty, elle te dit, elle cherche rien. Donc cherche pas à espérer le choix du Bounty de la femme mature. La meuf, je vais. Mais non, pose tes couilles, mec. Pose tes couilles au bout d'un moment. La meuf, elle lui sort. Ouais, mais tu m'as bloqué de Snap. Non, mais t'es sérieux, mec. La meuf, elle a fond sur toi. Tu la bloques et encore, tu veux la charrou de l'autre côté. Mais c'est quoi ce délire? Oh, t'as 39 ans. Tu dis que t'as 35 ans et t'as 39 ans sur ton truc. Excuse-moi, mec. Je prends ta description. Hein, je veux pas foutre la merde ou foutre le bordel. J'ai plusieurs trucs de kebab, venez pas je sais pas quoi, 15 000 euros par mois. Mais qu'est-ce qu'on s'en a carré depuis 15 000 balles? Attends. Eh ben toi, tu n'aimes pas. Et c'est pas question que j'aime pas les gens. Tu vas pas te raconter une vie, que ce soit dans la vraie vie ou dans le virtuel. La fais pas à l'envers. Ouais, mais il est gentil quand même. Après, bon, il m'a bloqué, mais il est gentil. Tu es seul contre tous. Bah vas-y, crois ce que tu veux, je m'en balance, vas-y, fais ta vie. Donc je dis quoi les gars pour évaluer dans le troll? Je dis quoi, je veux... chante une chanson pour Justine? Non, Justine... Il y a Liberté qui monte. C'est moi. Voilà. Bah elle est partie. Salut. Oula. Salut le duc. Ouais, t'as envoyé la terre, toi! À fond la caisse! T'as vu, je me suis rasé! Oh c'est putain, bien, il dit ça à tout le monde, hein! Je me suis rasé! Il dit à tout le monde ce soir! Je suis content! Je suis content! Franchement, je me suis fait une raison sur Bounty. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille de merde encore, hein?
En privé. Oh, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux en privé? Oh là 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 là. Ça devient compliqué les lives, hein. Ça devient la psychologie. Je t'ai en l'air, c'est bon. Moi, Edouard, il m'a défendu il y a deux jours, c'est vrai. Non, il n'est pas méchant du tout. Parce que il y a eu des. T'es arrivé là. Demande à Le Duc, demande à Anto. Voilà, il m'a défendu, Edouard. Il y a eu des hackers sur mon live. Deux hackers. Mmh. Voilà. Mmh. Il m'a défendu, c'est vrai. Il m'a défendu. Après, il est arrivé la meuf, Justine. Voilà, qui a 22 ans. Edouard, fais pas de menace à Anto. Hein. Ah, fais pas de menace, frérot. Fais attention. Non. Là, on va pas être d'accord. Fais pas de menace, hein. Mon ami. Fais pas de menace, mon ami. Un conseil, fais pas de menace. Passez des appels vers plus de 40 pays. Partagez vos idées. T'as un conseil, mon ami, tu sais pas sur qui t'es tombé là. Hein, fais attention, je te jure. Attends, je fais monter, Edouard. Il va te dire. Voilà. Bon, voilà. Non, je ne fais pas de menace envers Anto, justement. Je vais simplement, parce qu'il me dit que je suis sur plusieurs tableaux. Je lui ai prouvé que non. Justine, j'espère que tu es là et que tu vas regarder ce message que j'ai à te faire passer. Et franchement, tu verras que c'est ne sois pas jalouse. J'éprouve beaucoup de choses pour toi et je vais te le prouver. Et Anto, tu vas voir, je suis l'homme d'une femme et je ne parlerai pas en privé. Enfin, si on doit parler en privé, je le ferai à Bounty, mais ça restera que de l'amitié. J'entends parcourir ton corps effleuré 100 fois ton visage. J'irai de l'or et même quelques étoiles en essuyant tes larmes. Ma Justine, en toi, je me retrouve dans tes yeux, dans ton regard. T'apercevoir qu'on peut vivre ensemble. Je veux juste une dernière danse, juste avant l'ombre et l'indifférence. Avertis, silence. Justine, j'aimerais te rencontrer. Merci le Duc, merci Bounty de m'avoir ouvert les yeux envers la Justine. En son regard, je me perds. Merci Anto d'avoir dit les termes. Merci. Voilà. Donc là, je me suis livré devant tout le monde. J'ai vaincu ma timidité et c'est devant tout le monde. Je sais pas qu'on est combien sur le live. Merci le Duc de m'encourager. Et voilà. En tout cas, là, c'est vraiment des sentiments que je ressens pour toi. Je te fais cette chanson qui t'est dédiée à toi, Justine. Si tu veux, on se reparle en privé, je te débloque et j'ai envie de construire quelque chose avec toi et qu'on se voit vraiment dans la vraie vie. Moi, j'écoute Booba depuis tout à l'heure, en fait. Ah bah c'est bien, t'es amoureux de Justine, voilà, d'accord. C'est vrai, Justine? Bah, elle te dit je suis amoureuse. Toi aussi, t'es amoureux, Justine. D'accord? Hein? Justine, c'est vrai? Ouais, bah c'est bon. Merci, Justine. Merci. Ma Justine, je t'accepte. Voilà, allez, taille. Vas-y. Merci, Justine. Allez, c'est parti. En plus, on n'habite pas très loin l'un de l'autre.
Bon, en tout cas, merci de m'avoir fait ouvrir les yeux. Et c'est en partie grâce à toi, Bounty, que je vais peut-être faire la rencontre de Justine et commencer quelque chose de sérieux. Je vous fais un gros bisou. D'accord. Et merci, Antoine, de m'avoir fait ouvrir les yeux. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je repasserai pour... Bonne continuation à vous deux. Voilà. Merci. Waouh, je t'aime. Ça me fait rire. Enfin. Waouh, je t'aime. Voilà, je t'aime. Voilà, je t'aime. Ça me fait trop rire. C'est moi ou elle en égo, elle a le seum. Elle est dégoûtée. Greg, monte en cam. Voilà. Monte en cam, Greg. Ouais, franchement, il avait l'air gentil, mais je suis obligé de le jeter en l'air parce qu'en fait, c'est un gros mytho, la vie de ma mère. Mmh. Ouais, salut, vous m'entendez ? Salut, Greg. Ouais, ça va ? Ouais, ça va. Je crois que je suis plus modo, les mecs. Hein. Uh-huh. Duc, il y a ta musique, j'entends rien, je suis désolé. Ouais, excuse-moi, j'enlève. Désolé, excuse-moi. Elle est dégoûtée. Laisse un peu le duc. Un petit peu. Le mec qui était là avant. Non, désolé, j'ai enlevé, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Le mec qui était là avant, là, il charrote toutes les petites les filles de ce site, en fait. Ouais, je sais. Bah, j'ai une botte à moi. Elle vient me dire il était sur mon live il y a 3 minutes. Ouais, en fait, il charrote tout le monde. Ah ouais. Bah, en fait, il fait pareil. C'est pour ça que je les tège avec sa meuf, en fait. Voilà. Il a essayé de. J'ai mes deux cousines qui sont ici et il a essayé de niquer les deux et tout. Il lui a envoyé des messages, les mêmes messages. Il fait que des copier-coller, des chansons et tout. Bah, tu sais quoi, sa guitare, elle peut se la mettre au fin fond du cul, en fait. Ouais, t'as vu. Ouais. Pas terrible. Hein. Fini le temps de la mijote. Ah ouais, mais bon, on va faire ça à moi. C'est pour ça que l'autre vas-y, jour. Vas-y, ah ouais, dites-moi la tête de Bounty quand j'ai chanté. Enlève le de rouge, sinon moi je m'en vais, ok. Vas-y, s'il te plaît. Pas de soucis, Bounty. C'est bon. Tu te souviens pas de moi, Bounty? Attends. J'ai un truc à faire là. Attends, je me barre. Ouais. Désolé. Bah, vas-y, bah, je m'en vais parce que j'aime pas les embrouilles en fait. Non, c'est bon. Oh là. Elle était deg. Bah, c'est bon. Oh, ça va, j'ai 40 piges, je suis pas là pour m'embrouiller. Oh. Racontez-moi, les gars, j'ai pas vu sa tête, elle était vraiment dégoûtée. Elle va me bannir là? Pour faire quoi? Créer des emmerdes sur les lives. Bon, après, attention, il arrive jamais assez fin, hein. Il a jamais niqué personne sur le réseau. Ouais, mais là, il est mal tombé, là, parce que t'as vu, franchement, on n'est pas gentils, nous, en fait. Ouais. Ah ouais? Mais attends, à chaque fois que. Ouais, t'inquiète, Anto. J'étais exclu. J'ai capté que t'avais capté. T'inquiète. J'étais exclu. Moi aussi, j'avais capté. Mais comment elle est dégoûtée, Bounty? Voilà. Il est sur un live. Elle aussi, hein. Anto, elle aussi, non, hein. Je l'ai virée, elle, déjà. Ouais. Quand il arrive, elle est là aussi, hein. Donc, ah ouais, à chaque fois? Oui, écoute, à chaque fois qu'il vient, elle arrive. On est d'accord ou pas? Elle est jalouse. Ça pue l'embrouille. Mmh. Je te le dis tout de suite. Voilà. De toute façon, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Oh non, elle est triste. Ils vont rien faire du tout. Bah, en tout cas, moi, tu te souviens pas de moi, Bounty? Quand ça aboie, ça mord pas. Bounty, tu te souviens pas de moi? Moi, c'est pour ça que j'étais là l'autre jour. C'était parce qu'il était là, en fait. Parce que je suis là pour lui, en fait. Ouais, ça, ouais, c'est toi qui as fait ça. Ouais, mais c'était pour lui en fait. Je le traque depuis des semaines. Mais... Ah, là, Anto, c'est bon. T'inquiète, Anto, j'ai compris que t'avais compris. T'inquiète. C'est ça. C'est moi qui suis avec Franck, ouais. Ah, c'est toi? Ouais. Ah putain, mais c'est pas pour moi alors. Ah non, c'est pas pour toi, c'était pour lui en fait. Je le traque lui depuis des semaines. Parce qu'il a dragué mes cousines et il essaie de faire du mal à plein de meufs ici, en fait. Sérieux? Ah, putain. Voilà, c'est ça qui... C'est ça. 20 ans et 22. Ah ouais, tu m'aurais dit 16 ans, la vie de ma mère, j'aurais pété les plombs. Non, elles sont majeures. Mais en plus, c'est des filles, genre, elles sont un peu ouvertes d'esprit, tu vois, donc...
C'est compliqué sur le veau, les vieux pervers et tout, ils aiment bien. Tu vois. Cette masterclass, encore une fois, putain. Je sais pas, t'as vu, voilà. Ah, mais là, je suis en train de c'est, ça. Là. C'est ça qui m'est arrivé il y a deux jours. En fait, je pense qu'il essaie sur tous les lives, mais là, il est tombé sur le mauvais, là, parce qu'on est plus mauvais que lui, en fait. T'as vu, donc, c'est chaud. Ouais, mais il y a deux jours, c'était moi qui étais traqué comme ça. Comme ça, ouais, comme là, je suis dans son téléphone, hein, du coup. Hein, j'ai tout récupéré. Hein. C'est en train de récupérer toutes les photos qu'il y a dessus et tout. Ouais, par contre, il a fait deux captures d'écran. Hein. Ouais, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, ouais. Ouais, bah, je le vois sur mon téléphone. Ouais. Moi, je suis dans son téléphone, donc là, je suis en train de tout récupérer de son téléphone. Bah, c'est bon. Bah, Greg, c'est un brouteur. Je suis un spoofer, moi. Je suis pas un... Non, mais les stalkers ne quittent pas tout. Putain, ils cassent des couilles. C'est comme les Anonymous, mais en plus local. Et Greg. Vous cassez les couilles, les gars. Et t'étais là, Greg. Ouais, bah, pourquoi on voit un ordi là. T'étais là il y a deux jours quand il m'est arrivé ça. Bah oui, j'étais là. Ouais. Bah non, mais ça, le duc, c'est ça en fait. Je vous montre ce que je lui fais actuellement. Je suis en train de rentrer dans. Je suis sur son téléphone en fait. C'est ça que vous voyez là. Là, c'est son téléphone en fait. Je suis en train de récupérer toutes les données. T'es sérieux? Mais oui, regarde bien. C'est en train de. Là, il y a tout le. Bah, regarde bien, mais j'y connais rien, mon ami. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, le duc. C'est ce qui m'est arrivé il y a deux jours quand il était là, Edouard. Deux personnes comme Greg qui m'ont montré, qui m'ont hiké. Voilà, et qui m'ont dit, on va te mettre sur YouTube. Et je leur ai dit, bah allez-y, hein. Moi, de toute façon, j'ai rien à cacher. Par contre, voilà. Anto, tu crois vraiment que je mets ma vraie localisation sur l'application ou... Enfin, il me semblait que tu étais malin depuis tout à l'heure, mais continue à l'être, là, parce que. Et c'est un pseudonyme hein, pour Vitry. Hein. Ça veut pas dire qu'on est sur place. Ah oui, il faut qu'il ouvre des photos sur Google. Ouais, voilà, c'était pour ça serait énorme, j'avoue, attention, bonne idée. Méfiez-vous de tout ça, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Attends, je vais dire. Ouais. Allez, bonne soirée. Non. Attends, non, c'est bien. Attends. IMBAP. Montre que t'as téléphone. Il est pas franc du collier, lui non plus. Hein. Ouais, bah moi, je me méfie hein, depuis. Putain, depuis 4 jours, on est sur ma gueule, là. Putain. Mais ouais, ça va, tant qu'on n'est pas sur ton huc, ça va. Hein? Tant qu'on n'est pas sur ton cul, ça va. Non, mais attends, ça fait 4 jours. Ça va, c'était de l'humour. De ouais, l'humour, prends des photos de humour, moi. Humour, humour. Ouais. Ouais, d'accord. Des photos de moi en LAN, etc. Faut qu'ils prennent des photos de moi en LAN en train d'hacker. Ça serait énorme. Trouvez des photos de moi, vas-y. Attends, c'est qui monte? La meuf de... Mais non, mais pourquoi... Ah, la meuf. Allez, Dai. Ouais. Mm-mm. Bien. Mm-mm. La meuf de Choupa. Il y a plusieurs profils. La pute, là. La pute. Ouais, la pute. Ouais. Ah ouais, c'est une pute, elle. De toute façon. Il y a Coco. 22 ans, de toute façon, non, mais... la meuf, c'est bon. Putain, attends, il faut que le Mbappé retourne. Je suis en galère ce soir. On sera tous comme ça, les gars, quand on sera vieux, les mecs. Hein, donc, on ne sait pas rigoler. Tu connais ses tarifs? Je suis en galère ce soir. Oh, Justine, les tarifs. Commence pas tes conneries à deux balles, le duc. D'accord. Oh, ouais. Ça va. Oh, bon, bah, je me tais. Mais je déconne. Non, mais. Là, regardez vois, comment il fume, la liberté sauvage. Regardez comment. Il y a deux jours en arrière, c'était exactement vous l'avez vu, la même ça. Soirée. Voilà. Avec sa cigarette, voilà. Putain. Exactement. Voilà. Je suis mort. Exactement. Bien sûr qu'on. Ouais. On s'emballait. Franchement, pour tomber sur des gens agréables, c'est vraiment compliqué. Par contre, elle te met à courir après. T'as pas l'impression d'avoir lancé une partie. Hein? Par Bowser? Te faire poursuivre par Bowser? Ok, bon, toi. Les modos, supprimez les messages comme ça, les gars, s'il vous plaît. N'importe quoi. Je supprimais. Bah non, bah, comment pas, ça, c'est des gens full mauvais, ils sont pas mauvais? J'ai toujours été respectueux. Ils sont respectueux, non? Bah moi aussi, hein.
Moi, ça fait 5 ans que je la connais, Bounty. Tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais, hein. Ouais. 5 ans qu'ils se connaissent sur l'appli. J'ai problème. Il y a que, il y a 2 jours que j'ai des problèmes. Hein, cousin? Ah bah, c'est depuis que tu me connais, bizarrement. Non. Non, non. T'as bien raison de t'en branler, Anto. Bah oui, Anto, il s'en branle. Ouais, ouais, mais ça fait 2 jours que j'ai des problèmes comme ça. Voilà, j'en ai jamais eu. Oui, Bounty, c'est pas des problèmes, ça. T'es là, c'est pas des vrais problèmes, ça. Ça serait bien que tu prennes des photos de moi et tout, tu montres que tu m'as hacké, ça serait énorme. C'est virtuel, c'est rien du tout. C'est pas ça des vrais problèmes. Là, tu peux être de leur côté. Même, imagine, les gars, on fait. Là, j'ai perdu le modo, du coup, ils m'ont ban. J'ai jamais eu de. Imagine à Yembap, en recupering, il reprend le modo, voilà. Ça serait pas énorme. C'est toi la pute Bounty. Tiens, regarde, t'as vu? Regarde. T'as vu? Je vais te traquer jusque. Bah, 3 profils. Ça veut dire voilà. Beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, les profils. Voilà. Hein. Et comme par hasard, quand. Les gars, là, alors, au pire, si c'est pas Yembap, s'il est pas là, les gars, quelqu'un peut le faire et monter. Et bien évidemment, elle tourne mèche. Tu serais capable de le faire, Achille, franchement, rate pas là où trop, parce que ça serait énorme. Si, signaler et bloquer. Moi, je fais les deux. Tu dis qu'au pire, t'es un assistant, t'es le. C'est fait, c'est fait. De Greg. Bien sûr qu'ils sont de mèche, les deux. Bien sûr. Moi, ce qui m'épate, c'est comment ils font pour recréer un autre compte. Putain, moi, j'arrive pas à créer un autre. Ils ont quand même traité Justine de pu, alors que même dans les RP, elle aura absolument rien fait. Une autre adresse mail, et c'est tout. Voilà. Yembap, ouais, c'est le rôle. Mail, attends, il est pas là. Tu peux mettre GMX, tu peux mettre Hotmail, toutes les boîtes mail, tu te fais un compte avec. Voilà. Je vais demander. Ouais, non, mais en fait, non. En fait, je vais pas me casser la tête. En fait. T'es toujours là, Yembap? Termine le troll en montrant des photos de moi. Une autre adresse mail, dit un autre mot de passe. Ça serait énorme. Je pense que ça finirait bien le truc. Non. Tu mets une autre adresse mail et ton même mot de passe. Voilà. Même mot de passe, comme ça, tu l'oublies pas. Voilà, tu peux avoir 5 ans. J'ai vu les photos que tu as fait pour Choupa pour l'Euro. C'est combien le shooting? Comment tu t'es vu avec iShield? Comment tu as rencontré Choupa? Moi, j'ai qu'une adresse mail, c'est sur Hotmail. Donc après, il faut que je fasse quoi? Une adresse Gmail, une adresse Yahoo, une adresse. C'est ça? Non, oh, c'est boomer. Gmail. Tu peux même faire une Yahoo. Une Yahoo. Ce que tu veux. Je pourrais rester des heures à les écouter, c'est trop marrant. GMX, ça marche pas. Non, j'ai fait un montage pour. Et voilà, tu vois. Ouais. Tu vois les enculés? Et c'est des enculés. Ça serait de la bande à Francky, ça? Je sais pas. Peut-être. La bande à Francky. On va savoir. Par contre, je sais pas. Francky, il a pris cher les réponses. Non, mais t'as vu, en 3 minutes, il a réussi à créer une adresse. C'est toi la pute Bounty, quand même. Comment il. Non, ça fait 2 adresses. Ça part trop mal, aucune empathie. Arrête Galactus d'être contre eux. Mais après, on fait une imposture, Galactus. C'est normal qu'ils aient un peu. Ah ouais, tu trouves que c'est. Du groupe à Francky. Ça ressort leur côté méchant, je trouve pas, moi. Vous trouvez, vous? Tu peut-être. Sais que Lati, elle a eu un problème avec lui. Je sais, ouais. Et elle devait me donner des news aujourd'hui. Elle devait retourner à 14h au poste. Et j'ai pas eu de news aujourd'hui. Ouais, je sais. Ils ont vraiment pas honte de marquer ça. Franchement, c'est une honte de marquer. Tu es un peu cruel, comment ça? J'espère qu'un jour, la gauche se surveillera ce que les gens font sur un instant de couper certaines retraites. Ça fait pas mal d'économies. On va dire des bêtises. Bon, s'il n'est pas là, Yembap, s'il est parti, les mecs, on va aller sur Coco, on va lui faire un petit coucou et on y va. Si j'ai un problème, j'appelle Anto et il vient de suite me sauver. T'as bien raison, Anto, il gère la crise. Mais ouais, t'es là à fond.
Ah, Anto, si j'ai un problème, il vient. Ça, qu'est-ce que je voulais dire Coco, elle est encore en ligne. Voilà. Bah, c'est bien. On avait fait quoi la dernière fois avec Coco? Au moins, c'est une belle personne. On avait fait quoi avec Coco la dernière fois? Non, elle n'est pas en ligne. Ça parle trop mal depuis que vous n'êtes plus là. Ouais, c'est un bon toutou, hein. Alors. La fameuse photo. Taveryville, je sais plus, les gars, je m'en souviens plus. Les gars, je suis sur plusieurs tableaux, les mecs. Avec Coco, on avait fait quoi? Bon, elle est pas là, les gars, hein, tranquille, mais je me souviens plus ce qu'on avait fait avec elle. Je sais pas si je peux vous montrer le... Attends, non, mais c'est sur mon téléphone. Je l'avais envoyé une photo en DM, elle était à fond sur moi. Vous pensez qu'elle était amoureuse, elle ressentait des choses pour moi? Non, t'avais pas reveal. Ok, bon, bon, on garde ça pour la prochaine fois au pire. Topaz. Après, d'un côté, s'il pense que Justine dans le troll a écrit... L'oiseau et l'enfant, je crois. Non, elle pense... non, c'est pas une question qu'elle est dans le troll. En fait... En gros, il pense qu'on est depuis le début, on est ensemble et que, je, voilà, ah non, que j'ai voulu m'amuser avec eux. J'ai voulu m'amuser avec eux. Il était là parce que pour être Bounty, quoi, écroulé comme il écroulait de rire, c'est qu'il était là. Théma, comment elle insulte Justine. Mais. T'es trop fan de Justine aussi, Galactix. Elle mérite un peu qu'on l'insulte, non? Bah, quand tu faisais de la guitare à la Kifax, mais quand tu parlais de Justine, elle était over Fairmax. Je l'ai vu, t'es une belle personne. Il faudrait que je regarde la rediff, les mecs. Mademoiselle Connasse, hein, c'est qui ça? Attends, c'est pas elle qui part on en égo. J'ai laissé le choix laissé de rester sur l'application. Y a pas un profil qu'on avait regardé qui était trop drôle ces derniers temps? Attends, Mike, c'est pas le mec gentil? Non, c'est pas ça, c'est... Chouquette, 31 ans. Putain, il y a tout le temps du monde, les mecs, sur les lives. Ils font que ça toute la journée. Pas demandé rien. Mais... Lovely 93. Ouais, j'en ai fait un avant-hier, je crois. Si je me souviens bien. On peut en faire un rapidement. Pour embrouillax, après j'arrête, je pense. Je suis fatigué. Est-ce que je relance un autre live, les gars? J'enlève le second lit, on part sur CS. Attends, je regarde Yaki. Un Terminax. Que tu dis, frère, je suis d'accord avec toi. Oh, y a Zinedine. En réalité, t'as beaucoup de rebeux qui font ça aussi. Hein. Non, mais... Il y a beaucoup de gens qui parlent les langues. Beaucoup de rebeux. Attends, beaucoup de rebeux, ça, c'est les blédards, les sans-papiers qui viennent, qui sont haragués de Marseille, jusqu'à Marseille et tout. Mais sinon, entre nous, est-ce qu'on fait ça sur l'application ou même, c'est comme si moi et toi, Voldemort, on se collait dans la vraie vie. Tu vois, toi, t'es un Français, je suis tranquille avec toi. Je te carré dans le sens du poil et quand il y a deux, trois autres gens qui, je sais qu'ils parlent arabe, qui me comprennent. Je vais commencer à te tailler. Non. Regarde, ça va vite. C'est pas que chez les Nîmes, c'est pas que chez les Turcs, ça. Il y en a plein qui le font. Ouais, mais la plupart, c'est. Je vais te dire un truc, Zinjin. C'est que moi, ce truc-là, quand je travaillais avant en restauration et tout, quand je tombais sur des rebeux au travail, et à chaque fois, tu parles arabe. Excuse-moi, Voldemort. Excuse-moi, Voldemort. Le beau gosse de Zine. Est-ce que tu te rappelles de moi? Un jour, je t'ai cliqué la chatte à ta mère. Regarde, c'est Zinedine, alias l'un des plus beaux machallah de l'application et l'un des plus justes, alias entière parva. T'as voulu m'insulter, la chatte à ta mère la plus. Et partout où tu vas, tu te pratiquais. T'as vu, tant que je suis là, quand tu vois les hommes, les drapeaux, s'il vous plaît, chaton, clique-moi ce fils de pute de beau gosse de Zine. Il n'y a pas d'accepter. Nique ta grand-mère en bigoté. Tu termines quoi, espèce de sale gros? Elle se voit dans qui est. Nique ta grand-mère la pute. Je vais vous apprendre dès que vous parlez des hommes, bande de pute. Moi. Juste ton pseudo, je vous casse. Et je m'en souviens, lui, il est venu sur ton live la dernière fois. Mais il était venu un moment chez Vendetta, il s'est fait cliquer et il a osé se revenir chez. Mais quand même, il était venu chez moi quand il y avait Vendetta. Saut, tu te rappelles ou pas? Et quand j'ai suivi. Il y avait. Comment il s'appelle? Lise. Exactement, j'avais dit quoi? J'avais fait ce fils de pute. Mais moi, je suis à l'heure de la nuit, je voyais pas. J'étais dans le noir chez moi. Je fais, hey, moi, je croyais qu'il y avait écrit le beau gosse Bessita, je sais pas quoi, quand j'ai vu son pseudo. Mais là, je vois très très bien. Le pire, c'est, regarde, c'est un truc de baiser. T'as vu? La nuit, je vois rien. Mais quand je suis alcoolisé, je vois comme un chat. C'est n'importe quoi, bande de pute, les bigotés aussi que vous êtes.
prendre leur parva, de vous apprendre à parler avec les hommes. Vous méritez que je vous affiche toutes vos adresses, vos mères, vos sœurs. Et même, t'as vu, limite, je vais aller plus loin, mais j'aime pas en parler. Si, bah, en fait, certaines parva, vous méritez pour avoir calomnié ou insulté le prophète. Parce qu'il y en a comme exemple, Amin Dada, alias Bachir Bounois, il a osé faire ça, la chatte à sa mère, la pute. Tu vois ce que je veux dire? Bachir Bounois. T'as vu, tu m'as dit non, t'as vu, t'insultes, je m'en bats les couilles ma mère, hein, mais t'insultes ma grand-mère, elle est décédée, la Yarhama, c'est le présent, je dis la Yarhama, mais je la baisse ta grand-mère, bande de Rahma, je vais vous apprendre à qui vous parlez. Voilà. Et celui qui vient, place du 1945 d'euros. T'as vu, combien de fois je donnais mon adresse, on me disait je suis là, je me déplace, 30 secondes après, je vois, il n'y a personne, bande de pute que vous êtes. Que ce soit arabe, khen ou gaoulé, venez la chatte à vos mères, la pute. Voilà, bande de pute que vous êtes. Ouais, donc tu disais ça? Ouais, je disais. Il y avait mise ce jour-là, il y avait mise. Et par rapport si, il n'a pas dit qu'il était dans la région. Mais bon, ce qui me gêne un peu, c'est que voilà, il parle de. Je sais pas si madame de Panama. Il dit Wallah, etc. Donc il met Dieu là-dedans. Je connaissais pas. Il était là, il a voulu me branler. Ça me gêne un peu, mais sinon, ça. Et j'ai vu que Saïd commençait à dire qu'est-ce que tu fais ancien. Alors, à l'heure, en début de soirée. On connaît pas vraiment, qu'est-ce qu'on sait pas ce qu'il fait, les gars, dans la vie. Il venait d'arriver sur l'application. Il était là, couché, pas bougé, il n'y avait aucun turc, aucun ami à lui. Il était là, couché, pas bougé. Allez, si, vite fait. Tu sais, il m'a dit quoi? Moi, j'insulte un mec, il me dit, mais frère, tu prends la tête, je sais, pourquoi il y a quoi? Le mec, il m'insulte à main, il me fait, mais moi, quelqu'un, je le connais même pas, il vient, il m'agresse, il me dit, ouais, même, nique ta mère, je vais le regarder, je vais rigoler. Bonjour, ça a planté les gars. Je vais pas lui répondre. Là, je vais même pas encore insulter, il a voulu faire le sub, fils de pute, ma chatte à sa mère, tu. Lui, je vais le faire la peau. Ouais, ferme ta gueule. La communauté turque de Belgique, ils aiment trop. Ferme ta gueule. Ah merde. Ah putain, ça a planté. Je pensais que ça allait passer sur le... T'as qu'à ma frise, ouais. C'est vraiment le bas, c'est un signe. Ouais, je vais couper. Ouais, on y retournera la prochaine fois, les gars. Bon, vas-y, je relance le live, je fais un petit peu de CS. Et ceux qui veulent jouer, n'hésitez pas, hein, venez sur TS. Sinon, moi, je joue solo. Tranquille. À toutes pour un petit live tranquille, les mecs en détente. À tout de suite.